Un millier de Jordaniens ont manifesté sous la pluie ce vendredi à Amman. Ils réclament de véritables réformes, trois jours après la nomination par le roi Abdallah II d'un nouveau gouvernement pour calmer la rue. L'opposition islamiste et de gauche se sont réunis devant le bureau du nouveau Premier ministre. Maarouf Barrit est soupçonné d'avoir truqué les élections législatives en 2007 lors d'un premier mandat. Il est donc loin d'incarner le véritable changement espéré. Nous voulons être pris au sérieux, explique le leader du Front de l'Action islamique. Nous voulons de vraies réformes, et maintenant, pour que le peuple se sente vraiment intégré au processus décisionnel. Les manifestants ont aussi exprimé leur soutien à leurs frères égyptiens. Ils ne réclament pas le départ du souverain, mais aimeraient voir instaurer une véritable monarchie parlementaire.